Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action et BM. Bon, je ne sais pas si je me suis bien préparée, j'ai tout mis par terre et j'en ai deux qui veulent me choper ce qu'il y a dans les poches. Bref, bon, comme je vous ai dit dans mon vlog, je suis passée chez Soch. C'est très dur à dire. Non, je suis passée à Action BM en attendant qu'Elia aille voir un pote là où on habitait avant. Donc, je n'allais pas faire des allers-retours, tout ça. Donc, oui, il y a un haul. Non, je n'ai pas acheté grand-chose. Et puis, dimanche, on a un petit anniversaire à fêter de ma mémère qui va avoir 11 ans. Donc, je suis partie là-bas aussi pour prendre des petits cadeaux. Je vais essayer de vous les montrer sans qu'il les chope. Mais ça risque d'être très compliqué. Non, on fouille pas en live. Allez, on commence par B&M qui est juste là. Allez, alors, tout premièrement, j'ai pris une boîte de bonbons comme ceci. C'était à moins 50%. Tout simplement parce qu'il y a les bonbons favoris de Jérôme à l'intérieur. Voilà. Donc, on s'en fout que ce soit Halloween ou quoi. Mais il y a plein de petites sucettes. Donc, je sais qu'il aime bien manger ça devant la télé. Après, il y a d'autres trucs. Je ne sais pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Il y a des petits bonbons d'Halloween. Je crois que j'avais pris qu'ils avaient bien aimé. Mais voilà, je sais qu'il y avait ce petit bonbon-là que j'ai vu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Allez, on lui fait plaisir. Ensuite, chez BM, toujours, j'ai pris... Alors, attendez, parce que j'ai demandé le ticket de caisse. Ouais, je vous dirai ça après, à moins que j'essaye de vous insérer les prix pour une fois. Allez, on va essayer de faire ça. Hein ? On va essayer de faire la pro. Donc, je vais mettre le ticket ici. Alors, des galettes fourrées comme ceci, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas que Saint-Michel faisait ça. Ça doit être très bon d'ailleurs. Chocolat au lait, c'était pas très très cher. Sans huile de palme à l'intérieur. Et dedans, on en a combien? Il y a 6 fois 2 biscuits. Non, me le vole pas. Non, me vole pas ça. Donc dedans, on en a 12. 12 biscuits à l'intérieur. Donc voilà. Et ça a l'air bon. Donc ça va, ça allait. Non, tu ne prends pas ça. Non. Ensuite, pour dimanche, Scooby-Doo-Bidou, j'ai pris ceci. Donc, c'est des petites saucisses. Dedans, il y en a 4, mais de la marque Scooby-Doo. Donc, c'est des Scooby Snacks. C'est trop bien. Voilà, donc j'ai pris ceci. Ensuite, j'ai pris... Je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer. Alors, j'en ai repris à Action, vous allez voir. Mais ils en faisaient... Alors, Action, c'est 2,99€. Là, c'était 3 et quelques, mais il y en a 3. Donc, j'ai l'impression que c'est moins cher à BM. Donc, c'est les Scrub Daddy comme ceci. Les Sponges Daddy, celle-ci. Moi je m'en sers pour faire la vaisselle, elles sont vraiment terribles. Et les autres c'est en couleur, par contre celles-ci elles sont grises, donc je ne sais pas. Eux ils disent pour nettoyer ben, les meubles, la cuisine, la salle de bain, les produits dehors et tout. Mais moi je me fais la vaisselle avec et je trouve que l'effet grattant et tout là il est vraiment top. Elles sont vraiment bien et elles s'usent pas vite comme les vertes là, vous savez, voilà. Ensuite j'ai repris BM, qui dit BM dit mon... bleu comme ça pour les toilettes. Franchement, si vous avez un BM chez vous, prenez ça, ils sont vraiment terribles. C'est Blue Water Océan. Mais alors l'odeur là, je vous jure, j'ai l'odeur là depuis tout à l'heure. T'as vu, ça sent bon, hein. Je sais pas si je sais que c'est pas ça que tu cherches. Ensuite j'ai trouvé de la marque The Pink Stuff comme ceci chez BM, du coup pour nettoyer les toilettes. Donc ça va être cool, on va le tester ensemble dans les vlogs. Ça, je ferai ceux du haut et ceux du bas. Alors, on a de quoi faire 3 fois. Bon, ça, c'était pas donné, mais si c'est efficace, ça peut être cool. Je suis désolée, j'ai la lumière derrière. J'ai voulu essayer de faire un genre de fond, tout ça, tout ça. Mais ouais, ça a pas l'air mal. Donc, ça, c'est la première fois que je voyais ça. Donc, ben, à tester. Alors, moi, j'en suis contente. Hein. Après, la crème récurrente, c'est pas de ouf. Mais le pchit-pchit, franchement, je m'en sers pour la cuisine et tout. Et je trouve ça vraiment bien. Alors, ensuite, les objets du délit. Ça, c'est pour Ishka. Ça fait pouette-pouette. C'est rose. Bien sûr, c'est Ishka, mais comme on a fait pour Toto, on est obligé d'en prendre pour deux, parce que sinon il va y avoir de la jalousie. Donc ça, ça sera pour Toto. Et pour Newton aussi, parce qu'on en a 3. Je lui ai pris, alors j'ai essayé de trouver un truc costaud. C'est une balle de tennis dans une balle en plastique. Une balle de tennis, oui, dans un autour, il y a un truc en plastique comme ça.
Donc Jérôme, je lui ai montré tout à l'heure, il m'a dit, oula, ça va pas faire longtemps ça. Mais bon, déjà, il sera content. Donc voilà, ça c'est les objets du délit à la base de BM. Et je crois que pour BM, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc ça, je vais le mettre en hauteur avant qu'il me les chipe, lui, parce qu'il les a captés. Voilà. Et je voulais prendre un petit plus, tout ça, mais à Action, j'ai rien trouvé de... Voilà. Allez, ah non, BM, c'est pas tout. J'ai trouvé ça. Je suis tombée sur des chips comme ceci, Vico, à moins 50%. Donc ça valait le coup. Et elles sont bonnes encore jusqu'au 11 mars. Alors, quand je l'ai dit à Elia, tout à l'heure, elle me dit, t'inquiète, maman, ça va pas durer jusqu'au 11 mars. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai pris ça aussi à moins 50% chez BM. Ah non, il n'y a pas que ça chez BM. Oui, aussi, il n'y a pas que ça. Et moi, je me suis pris ceci, les Oreo comme ceci, enrobés de chocolat blanc. Franchement, ceux-là, c'est... je les adore. Voilà, si je tape dans le paquet, c'est foutu pour moi. Mais vraiment, ceux-là, je ne sais pas si vous les avez déjà goûtés, ceux-là. Alors, il y a ceux enrobés de chocolat normal. Je crois que je ne les ai jamais goûtés. Ils doivent être bons aussi. Hein. Mais ceux-là, là, au chocolat blanc... c'est vraiment une pépite, moi je vous les conseille. Ils sont vraiment très très bons et là ça va, ils n'étaient pas trop chers. Ensuite, à Action. Pousse-toi de la poche. À Action, j'ai pris du coup bah, deux poches cadeaux, mais ça va pas être suffisant parce que oui, j'emballe les cadeaux de mes chiens pour leur anniversaire. Donc bien sûr, j'ai pris un bleu pour Toto et j'ai pris un doré comme ça pour Ishka. Voilà, alors c'est parti, je vais vous montrer déjà ce que j'ai dans l'autre poche parce qu'il va me les chauffer. Comme je vous ai dit, je voulais prendre un petit plus, un petit jouet en plus chez Action, mais que je n'ai pas trouvé. Donc avec Elia, on a regardé, je dis sinon on va dans le rayon peluche pour enfants, et on a trouvé mais alors, deux belles peluches à 1 euro et quelques. Je crois que j'ai le ticket aussi, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Le ticket d'Action, 1 euro et quelques, regardez-moi ces beautés, comment elles sont trop belles. Donc on a celui-là, l'oiseau bleu comme ça. Et on a le petit papillon comme ceci. Ils sont trop beaux. Moi j'adore. Elia m'a dit, j'aurais été petite, je les aurais réclamé 1 euro et quelques. Vous avez vu les peluches que vous pouvez avoir chez Action. Là, en plus elles sont douces et tout. Franchement, elles sont trop canons. Non, pas pour aujourd'hui. Ça sera pour dimanche. Ensuite, promo de la semaine, il y avait ça. Je n'ai jamais goûté. C'est des party cakes, des petits gâteaux comme ça. Je me suis dit, pour boire le café ou quand Jérôme y rentre du boulot, comme ça, ça peut être cool. C'est pareil, c'est 1 euro et quelques. Je ne sais pas où j'ai mis. Je crois que le ticket de caisse, je l'ai laissé. Ah non, je crois que j'ai... Ouais, non, ça, parce que ça, c'était une autre Action. Donc, je ne l'ai pas pris. Donc, ça, vous n'aurez pas les prix. Donc, ça, c'était 1 euro et quelques. Vous n'aurez pas les prix, ça aussi. Pourtant, il me semble que je vais demander le ticket de caisse à la nénette. Ah, peut-être que c'est dans mon manteau. Je regarderai. Et après, je cherchais ça dans la première Action que j'ai pas trouvé, et dans le deuxième Action il y en avait un, c'est pour mettre sur mon étagère de salle de bain pour éviter de salir, donc je vous montrerai comment je vais les mettre, mais là il me faudrait un, et j'arrive pas à trouver, alors je suis allée à Centracor l'autre fois, mais 4 euros le gobelet, genre pour mettre les brosses à dents, non merci, hein, je veux juste un truc basique, moi c'est juste pour mettre 2-3 pinceaux dedans, enfin vous voyez, un truc pour, voilà, un petit gobelet quoi. Et là, je vous dis 4 balles. Et Action, il n'y a rien en ce moment. Il n'y a rien, même en bambou. J'ai regardé parce qu'à un moment, ils faisaient des trucs en bambou et tout. Il n'y a rien du tout. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, j'ai réussi à le trouver. Ça, c'est 3 euros et des bananes, normalement. Non, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus de joujou là-dedans. Donc là, j'ai un des tickets de caisse, voilà, que j'avais pris. Ensuite, pour les gâteaux d'anniversaire... généralement je prends des petits genre des petites pâtés comme ça carrées, on la démoule et on fait un petit gâteau avec, donc bien sûr bah, j'en ai pris deux, voilà, donc pour faire les petits gâteaux d'anniversaire avec de la pâtée. Donc c'est celle-ci que je vous ai dit que j'avais pris la dernière fois, voilà, de chez Action, de la marque Sif, comme ceci, Sponge Daddy. Mais alors celles-là, voilà, elles sont jaunes et oranges, tandis que les autres, vous voyez, que je vous ai montré tout à l'heure, elles sont blanches et grises. Alors celles-ci, elles sont à 2,99€ et celles-ci, elles sont à 3 euros et quelques. Donc au final, elles sont moins chères celles-là, quoi. Vous voyez ? Et elles font exactement la même chose, quoi. Et elles sont même... Ouais, elles sont de la même taille. Donc du coup, j'ai dit j'en prends quand même parce que moi, j'aurai mon petit stock. Je serai tranquille. Ensuite, j'ai vu qu'à Action, ils faisaient des petits princes comme ça. Donc j'ai pris des princes, ça, c'est de la bombe hein, dans le lait et tout ça. Je sais qu'Elia, elle aime bien. J'essaye de lui prendre des petits trucs pour le petit-déj, vu qu'elle a tendance à pas déjeuner, que voilà, des trucs faciles, à chaque fois, je vous le dis.
Et je lui ai repris. Ah, ben non, c'était tout chocolat que j'ai pris. Je me suis trompée. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris cela. Bon, bref, des Milka comme ça, sensation, puisqu'ils étaient en promo de la semaine. Voilà, donc du coup, je lui ai pris ceci. Et ensuite, j'ai pris. J'ai repris. Du coup, je vais pas la faire pour le moment. Parce que j'ai plus d'ail. Le temps que je machine et tout ça. Enfin, bon, là, j'en ai besoin. Donc, j'ai repris une huile à l'ail qui a augmenté de fou. Avant, elle était à 1. Je crois qu'elle était à 1,79 au début que je l'ai acheté. Elle est passée à 1,99 et là elle est passée à 2 euros et quelques. Franchement, abusé. C'est abusé. C'est devenu trop trop cher. Et ensuite, je suis passée chez Soch. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc dans la tête. Faut que je vois, je fais ça. Faudrait que je me mette un petit truc à côté. Enfin, un genre de table parce que c'est pas pratique là. Et ensuite, je suis passée à Cultura aussi. J'ai pris de la Chalky. Alors, putain, c'est. Excusez-moi. Mais ça, c'est trop, trop cher en fait. C'est de la peinture comme ceci, Chalk. Alors, pour celles qui en achètent ailleurs, dites-moi s'il y a un site où on peut prendre ça, mais moins cher quoi. Parce que ça, c'est 5 euros et quelques. Donc, j'en ai pris une blanche. J'en ai pris une rose bonbon comme ça. Franchement, elle est trop, trop belle. Et j'ai repris du vernicole parce que j'en avais besoin. Voilà, un petit truc de vernicole. Ça c'était 3 euros et des bananes, mais les en peinture ils avaient que ça, que cette marque là, il n'y avait rien d'autre. Et je sais qu'à Action ils en faisaient à l'époque, maintenant ils en font plus. Donc voilà, c'est un genre de peinture à la craie en fait, tout simplement, je crois. Mais il faudra que je regarde sur Amazon ou autre, même d'en avoir des plus petits pots, mais en avoir un peu de toutes les couleurs. Donc voilà, j'ai pris ça. Ça c'est de la peinture, Titi. Il est en bas, ils vont voir comme ça. Ah maman, tu me donnes mes trucs. Et je leur ai pris à Action aussi un petit sachet de leurs friandises qu'ils aiment bien. Mais on est déjà vers le paquet. Ils ont déjà commencé à grignoter dedans. Voilà pour ce petit haul. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de bouffe, mais il y a aussi mes petites éponges et tout. Et puis voilà, quoi, ça m'a baladé en attendant. Et puis comme ça, j'ai pu prendre les trucs pour dimanche. Ça m'évite de courir ce week-end pour aller chercher des jouets que je ne vais pas forcément trouver. Parce qu'à Action, il n'y avait que... des balles de tennis, des petites cordes, et c'est tout. Voilà, il n'y avait à rien du tout, rien, rien, rien. Enfin, les cas tombent en Action. Bon, allez, si je retrouve les prix, je vous les mets, et sinon, ben, voilà, enfin, BM, c'est sûr, j'ai Action, j'en ai un sur les deux, je vais voir, mais je crois que je l'ai mis dans mon blouson, mais c'est pas sûr. Allez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, et surtout, protégez-vous. Bisous.